na message yuno munsi kugira abantu bari Burundi na benshi anyu na Republika bavuga ngo Senarets sasa kuno munsi abantu bose baguma bavuga nyangoma nyangoma ngo president nyangoma ngo musaza kudutabara ryashye iryo jambo rero ni ryanyu. Oui, Je suis venu à la maison. Ibwirizwa shingiro iyo ntambamye nta yindi ni wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza w'u Burundi mu minsi iheze ushika tariki 2026 z'ukwezi kwa myandagaro uyu mwaka nyine yarangije igihe kiba hanyuma akigomeza akagoma akamata ku butegetsi ubu rero tumwita umucangero umucangero nawe rero iyo afashe ubutegetsi ntaburekura mutamubwiye ko mukamugwanya bimwe biboneka ariko amaherezo ya byose arihenda azogenda cyo gituma twamye tuvuga kere duti nasabe agende akiri mwiza nkaba ndanditse rero abarundi bose kandi ni benshi kuko nabivuze ahagurukire rimwe tumugwanye ntange cyo tuzomutsinda n'akagukiye ngo mu makartie amwe muri iki gihe baguma abapolisi baguma binjira bakaba nko gutera tuvuga nko gutera amakaritie nyakabiga umusaga amwe na jabe buri munsi baguma bavuga ati tugomba ngo tuba turashakisha ibigwanisho kuko turarondera ibigwanisho ariko ibigwanisho biroboneka i Burundi ibigwanisho b'i Kenya namwebwe nk'umukuru w'igihugu wifata kibanzo no munsi ni giki mushobora guhe kubwira nka message mushobora guhereza polisi Burundi niyo bavu kuba manifestation zitangi gushuka no munsi izina polisi nabwo libura mu manyanga yose Burundi ndetwashiraho umukuru w'igihugu wifata kibanza ariko ibyo tubona kandi je ndabizi neza narabikwikiraniye hafi hari ibigwanisho byinshi ibihumbi n'ibihumbi binyagara mu gihugu kuva inyuma y'urwimo cyane ingwano zagiye ziraba noneho ibindi byinshi abari ku butegetsi ubu batangiye kubitanga bagishikiye ubutegetsi ngira murazi yuko hari wahora mu rujya mugambi uri ku butegetsi wenyine yavyiboneye yavyivugiye aravuga ibigwanisho byatanzwe mu makomine yose y'igihugu rero ubu bagenda bugariza abanyagihugu babicira mu makaritie amwamwe bagenda bayitwaje ngo bagiye kwandura ibigwanisho ibyo ni uruhendo ntibashobora kwandura ibigwanisho bakabirondera iyo batabishitse mu bisanzwe bonyine barazi abo babihaye hanyuma rero tukibaza igituma batajya kubyandura aho babitanze ibyo rero bikerekana yuko bijya n'ugwitwaza kugira ngo bahane bihora urabona umuntu yita ngo ni mukuru w'igihugu akaja kwihora abanyagihugu yitwaje bararongwe ivyo vyerekana rero ko atari umukuru w'igihugu agomba kwihora barya bose bansijya manda ya gatatu kandi atagifite uburenganzira kuko yahunyanze ibwirizwa shingiro n'amasezerano yarusheka n'amasezerano mpuzamakungu yarayahunyanze rero nta kindi rero ariko arakorwa atari kubihora kandi ntavyazoshobora naho azokwica akagira gute abarundi tuzoguma tumugwanya sinovuga gushika kuwanyima kuko turazi mu minsi za azoneshwa niyo wenyine atihanura ngo agende kandi n'umuhanura n'ubu
agakinjura akagenda nyamubura kimuhanura niwe nyamubura ikimuhamba urakoze kunyitsa. Est-ce que vous avez du nouveau concernant la Cour pénale internationale? Ego igye sentare mpuza makuru w'impana byaha bita CPI mu gifaransa mu funyapfunyo twarishikirije ibirego ku bantu bafashije Nkurunziza guhonyanga agateka ka muntu mu gusasika abantu urabo nibyo bariko barakora ubu bitera bija birushusha n'ibyihonyabwoko rero. Ego baratwakiriye ikintu gikomeye cya mbere nuko bakiriye ibirego byacu. Ubu rero barasubiye baratwandikira bati twarabyakiriye, ubu rero dushigaje kuza twebwe nyine kwirabira ku rubuga ibyo bintu uko ari byo. Urabizi rero nsagaseseshwa rumuri ntawe utabizi uko ibyo bintu ari byo. Nico gituma sinukirirwa ndayibutsa baratubariye ingene bakora, ntibica bibonye ushyikirije urwandiko ibirego ntibaca biruka bagenda ku kibuga gukora itohoza. Ariko n'ubu hajya bariko baregeranya n'ibindi birego ngira se twebwe twenyine twabirungitse, ntihabuze n'abandi benshi bashobora kuba bararungitse ibyo birego byo kugira ngo bahaguruke bijukire u Burundi nabwo. La rencontre d'aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, comme vous l'avez suivi dans les débats, dans les prises de parole aujourd'hui, nous avions une rencontre avec la diaspora burundaise en Europe. Vous avez vu des Burundais qui sont venus d'un peu partout, de la Suisse, de la France, de la Belgique et de la Hollande. Aujourd'hui, à l'occasion de cette rencontre, nous avons lancé un SOS, un cri d'alarme, non seulement adressé au Burundi, mais surtout adressé à ce qu'on appelle communément la communauté internationale et des partenaires du Burundi, mais aussi adressé aux autres peuples libres, que j'appelle libres, de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, pour qu'ils expriment leur solidarité dans l'action avec le peuple burundais. J'ai bien dit, vous l'avez entendu, Mandela a toujours dit que il n'y a pas un seul peuple qui peut se sentir libre si il y a encore d'autres peuples opprimés dans le monde. C'est un devoir donc de solidarité. Et je me souviendrai quand j'étais petit, je sais qu'à l'université officielle de Bujumbura, les universitaires, ils ont manifesté contre la guerre injuste menée contre la guerre du Vietnam. Toute l'Europe, même aux États-Unis, il y a eu des manifestations des Américains, des Européens, contre la guerre injuste qui était menée contre le peuple vietnamien. C'était, vous n'étiez pas encore né, c'était dans les années 70. Donc ça, c'est la deuxième chose, en plus de cette interpellation de la communauté internationale, et surtout des peuples, parce que la communauté internationale, c'est vague, des peuples et des États. Qui dit communauté internationale, c'est un peu vague. Donc, nous voulions aujourd'hui, comme vous l'avez bien suivi, entendre les contributions des Burundais de la diaspora. Et effectivement, personne n'a posé de questions, ils n'ont fait que des contributions que nous allons analyser au moment venu dans les prochaines réunions, comme vous venez de l'entendre, des structures du CNARED, notamment le directoire du CNARED, pour dégager donc une feuille de route et des stratégies de la route pour déboulonner Nkurunziza du pouvoir. Nous savons le rôle historique qui a été joué par les diasporas dans le monde pour décoloniser le peuple. Je vous ai parlé de Pidemor, Pademor, Dubois, qui étaient des petits-fils des esclaves. C'est ceux-là qui ont inspiré aux Africains la décolonisation de l'Afrique, qui ont inspiré Lumumba, qui ont inspiré Guagasore pour se libérer du colonialisme à cette époque. Donc, la diaspora
a un rôle extrêmement important à jouer dans ce que nous faisons. La bataille n'est pas seulement au Burundi. La bataille, le champ de bataille est partout dans le monde, là où il y a les Burundais, ou là où il y a des peuples libres et pris de paix et de dignité qui sont solidaires avec nous. Donc, cette bataille engagée est un peu partout dans le monde entier. Je vous remercie.